Je me présente, je m'appelle Ferial. C'est à la fois mon prénom et mon nom d'artiste. Ce que je présente aujourd'hui, c'est le deuxième opus des Mondes polaires, puisque je suis très passionnée et attirée, aimantée vers les pôles. J'ai sorti un premier livre en 2020 sur une résidence d'artiste au Groenland. Et puis, suite au Groenland, j'ai voulu aller plus loin. Donc je suis allée au Svalbard, qui est à 1000 km à peu près du pôle Nord. Donc la première résidence était un véritable choc émotionnel, puisque c'est un moment particulier où je me suis retrouvée sur un bateau pris dans la glace, sur le Manguier. Et ça a été vraiment... ça a fait office de quête un petit peu, et puis à la fois de découverte de ces mondes qui finalement me passionnent depuis toute petite. Et puis suite au Groenland, vraiment j'ai voulu aller plus loin, avoir une connaissance plus grande de tout ça. Et j'ai eu la chance de monter sur un deuxième bateau qui s'appelle le Polar Front et qui se trouvait donc au Svalbard. Là ça a été un deuxième choc parce que le Svalbard est un territoire absolument magnifique, somptueux, mais à la fois c'est le territoire qui se réchauffent le plus, c'est-à-dire qu'eux, ils se réchauffent 7 fois plus que le reste du monde, avec des conséquences absolument dramatiques sur la faune, la flore, tous les écosystèmes. Et c'est surtout que finalement, tout ce qui se passe dans le monde vient directement du Svalbard. C'est un peu difficile à croire ou à... Quand on habite ailleurs, on se dit bon bah le Svalbard c'est un petit peu loin, ça nous concerne pas vraiment. Et pour faire simple, toutes les tempêtes, toutes les sécheresses, toutes les canicules qu'on peut avoir, par exemple nous ici à Vence ou en France, sans aller chercher des pays éloignés, c'est directement lié à ce qui se passe au Svalbard. Donc suite à mes deux voyages. Au-delà des images magnifiques qui sont somme toute très faciles à prendre parce que tout est beau, j'ai voulu vraiment faire un témoignage de ce qui se passait et surtout que les gens prennent conscience que ces mondes polaires, ils sont certes très éloignés, ils ne nous concernent pas vraiment comme ça au premier abord et pourtant on est complètement liés à ces mondes polaires. Voilà.